J'ai commencé à faire des trucs, j'ai pas lancé à VOD. J'ai dit qu'il sera en férine. T'as raison, Trapide. T'as bien raison. Bonjour VOD, pardon. On est sur Dead Island 2. On est à l'hôtel où la... Alors, la fille du médecin qui, du coup, s'occupe de faire nos analyses machin a disparu. En plus, tard, c'est plutôt s'est barré chercher, je crois, de la bouffe ou je ne sais quoi. Bref, on va essayer de la retrouver. Et juste avant de faire ça, j'ai pris ici les avis de disparition. On va voir si on trouve des gens sur notre chemin. Au pif, hein. Pif total. Mais j'aimerais bien, peut-être... Il y a une quête secondaire. J'aimerais bien voir si au niveau de mes armes, je suis bine. Je sais plus du tout. Oh, ce bruit blanc, il n'y a vraiment pas de musique. Ça me déprime. Ça me déprime, ce mode streamer. Il y a zéro musique, il n'y a rien. C'est le vide total. C'est désespérant. Ça me saoule. Un qui tease une mission, une. Ah bah je vais refaire. Je peux pas. Je n'ai pas. J'ai pas. J'aimerais bien avoir un truc, un pistolet à clous là. On remet le cerveau à l'endroit. Ça marche. Et ben ça c'est une bonne idée, Trapule. Ah oui, là ici, il y avait une quête secondaire. Il cherchait un truc lui. Vous êtes, c'est ce que vous êtes. I heard you were making some trouble. Need some help? Help? That's what she. You're là pour me voler comme elle. Mais de quoi ça parle? Next thing you'll see, musique d'ascenseur. Huh? Who stole from you? Ça dégoûte. Ça dégoûte. Ça dégoûte. Ça dégoûte. Voilà. She can't do that. That's wrong. Un petit rap d'ascenseur. Yeah, mais j'écoutais pas. What's your name, man? Luther. Okay. I'll go talk to Denise and straighten this all out. Plus le 18 juin, c'est pas du tout férié pratique. Bah non, c'est pas du tout férié effectivement. Yo Vendelt. Alors j'écoutais pas, il dit quoi du coup? Hey, no worries. I got this. Vers quoi, hein? Here. Un coup de main. D'accord. Appuie sur J. Bon, on va regarder vite fait ce qu'il m'a demandé. Appuie sur J. C'est en QWERTY, c'est ça? Ah, c'est où J quand on est en QWERTY? Merde! Je sais pas où c'est. Ah là. Là, je devrais avoir des trucs là. Dans la quête. Oh, j'en ai beaucoup. Coup de main. Retourner à l'hôtel machin. Bah, je suis, hein. Non. Questionner Denise. On va voir Denise. On va voir Denise. Oh, j'ai envie d'éternuer un peu. Un peu vite fait. J'ai failli pas avoir le temps. Yeah, what? I just ran into this guy, Luther. Elle a un strabisme ou pas? Ou c'est moi qui ai l'impression? That boy's on random shuffle. Well, he says you stole the bag under his bed. He's pretty worked up about it. That bag was stinking. Vous trouvez ce que la meuf a piqué? Piqué la meuf, pareil qu'il n'y en a même pas. The fuck's in it? I do not want to know. Couldn't get near it without gagging. I just tossed it down the trash chute. Il y a pincé dans le vide-torture. Ah. To stop freaking everyone out, we're gonna have to put up with the stink. Whatever. Se faire à l'odeur de quoi? But if he doesn't calm down, he's going down the chute too. Fouiller les poubelles, non mais super les quêtes. Eh franchement quête secondaire quoi, please. Fouiller the motherfucking poubelle? Really? Let's see if you're by the bean. The motherfucking trash? Je voulais pas fouiller les poubelles. C'est trop pourri! Non, on parle des quêtes des RPG où tu dois tuer 25 cochons, 200 loups là, pour pouvoir avoir un objet que t'aurais pu avoir 5 fois autrement. Mais là, là ma mission c'est de fouiller dans des poubelles. Je préfère les quêtes des MMO. Oh. Léger strabisme, on est d'accord, hein. Oh. Léger, elle nous va en triple. Ce que je veux dire, c'est que ça a pas l'air d'être un strabisme genre... volontaire du personne... Enfin, non, c'est pas volontaire le strabisme, c'est chelou ce que je dis. Comment expliquer ce que... le fond de ma pensée. Ça a pas l'air d'être un truc... qui est revendiqué comme étant un strabisme du personnage. En même temps, comment ça se revendique? Ça se revendique pas vraiment, c'est plutôt un truc qu'on a et puis voilà. Mais, ce
que je veux dire, c'est que ça a pas l'air d'être volontaire que les chara-designers, si on peut appeler ça comme ça, aient, oui sûrement, aient décidé de faire un strabisme à ce personnage. J'ai l'impression que c'est un strabisme qui est involontaire de la part des créateurs. Et j'ai dit que j'arrivais pas à parler en ce moment, et là en plus je me lance dans des pérégrinations vernaculaires là. Complètement hors de contrôle en fait. Hein. Je vais mettre de l'eau un peu, tiens. C'est juste un rendu pourri, ouais, voilà. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est trop ça. Je pense que c'est trop le rendu qui est tout bidon. Comment dire sans être désobligeant pour les gens qui peuvent l'avoir? Exactement. Exactement. Et avoir connu des gens dans mon entourage qui souffraient de strabisme, je sais très bien à quel point c'est un complexe de ouf. Enfin, je sais. J'ai pu constater à quel point ça pouvait être un complexe de ouf. Voilà. Donc, je ne veux surtout pas appuyer des complexes que des personnes pourraient déjà avoir. C'est bon, quoi. Les complexes, c'est dépassé maintenant. On arrête un peu. Ah, mais c'est là, elle est là, la benne. Fou, la benne. Tellement comme phrase en plus, OMG. T'as vu? Non, mais je me fais violence un petit peu pour savoir si je suis encore capable de développer un argumentaire avec mon niveau de fatigue. Je suis capable de faire du remplissage. Un peu comme ton père. Pardon, je déconne. Hey, violent un peu, hein, ce que j'ai dit. Fou. Oh non, il y a des bûches, il y a des bûches. Dégage. Là j'ai pas de musique là. Là j'ai pas de musique. Pourquoi? Parce que mode no copyright. Mode no copyright qui fait chier le monde là. Mode no copyright où on a même pas... On s'est même pas dit tiens on va mettre une petite musique de fond pour voir. Y'a quelqu'un là. Dans ta gueule. Ah, il y avait de l'antioxydant là. Je me heal. Hein. Dans le premier Star Wars Fallen Order, une des persos a des yeux exorbités et sur un stream que je regardais, un mec se moquait, sauf que l'actrice a exactement ces yeux-là, le malaise. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, vu que maintenant, en plus, c'est des... Mais oui, mais... Exactement. Après, ça peut être le rendu, parfois, qui est chelou, mais vu que maintenant... Dans tous les jeux un peu réalistes, c'est très souvent des vraies personnes qui sont prises pour au moins comme modèle. Et ben, bah t'imagines si tu bullies quelqu'un en direct comme ça, alors que c'est parce que son modèle, voilà, 3D ne te convient pas, machin. Tu en mets plein sa mouille alors que la personne n'a rien fait, hein? Du coup, body shaming? Tu penses être moqué d'un personnage, mais non, tu te moques d'un physique. Et puis même si c'est qu'un personnage, imaginons, ça a pas pris, on n'a pas pris de modèle. Imaginons. Eh ben, on se moque quand même d'un physique qui pourrait exister. Et c'est nul. Donc, don't do that. Ah! Il y a des mouches. Dégage, les mouches. Ça me fait mal ou pas? Non, ça va. Fouille les poubelles. Mais j'ai déjà tout fouillé, non? Je vois rien en plus. Attendez, faut que je trouve la lumière. Ouais, j'ai trouvé du premier coup. J'avais pas fini de fouiller parce que je discutais trop. Ah bah si, j'ai fini. Bah j'ai rien trouvé alors. Y'a pas d'autres poubelles hein. Ah si, faut peut-être que je fouille les sacs comme ça. Bah non. Bah je fouillais là ça hein. J'ai des petites balles de fusil là. Vraiment que je fouille les poubelles, mais j'ai déjà tout fouillé je crois. J'ai plus d'interaction possible hein. Ah, c'est peut-être lui qui était puant. Oh, le puant. C'est pour ça qu'il a plein de mouches autour, ça dégoûte. Ah, ici. Ah, ici, j'avais pas fait. Parfois, dans les poubelles de supermarché, il y a des bons trucs cool. Oui, probablement, effectivement. Effectivement. Quelle vie, c'est horrible aussi à aborder, c'est très frustrant pour ceux qui l'ont. Ouais, clairement. Mais vous remarquez que
Typiquement, quand il y a Jay, il y a beaucoup de ses potes quand on joue avec, etc., qui en parlent, qui en font référence, qui s'en moquent. Sachez que je ne fais jamais partie de ces personnes-là. Parce que je n'imagine même pas le complexe que ça peut être. Surtout quand tu tiens tes cheveux à la base. Donc jamais je me permettrai. Voilà. Non, c'est pas vrai, je peux avoir mes cheveux. Je perds pas mes cheveux sur le dessus. Bah oui, comme beaucoup d'hommes, malheureusement. Une idée ce soir, je fais la moitié. Demain matin, je finis de copier. Bonne idée. Oula. Je me lève les dents et après, je tape une dizaine de bonbons. Help mon intelligence. T'es fatigué, toi, un peu, non? Mais en fait, j'ai pas d'autres poubelles à fouiller. Ou alors, il faut que je trouve un moyen d'ouvrir cette porte. Parce que là, en fait, je peux pas faire plus. Là, je suis kéblo un peu, là. On parle de ta violence. Moi, je suis trop mignonne. C'est meilleur, je joue à un jeu de pêche. À côté, j'ai perdu mon poisson tellement j'étais morte à chier. Mais non, c'était après. J'ai dit ton père, mais c'est pas... J'aurais dit à n'importe qui aurait dit cette phrase. C'est ça. Gravement fatigué, mais oui. Bon bah, je sais pas. Alors, on vu un petit rond dans une pièce. Ok, je vais voir alors. On entend des bruits que je déteste. Vous savez, le bruit d'un couteau qui frotte sur une pierre. Même pas fort, hein. Ça, c'est... On vient de l'entendre, ça, c'est vraiment horrible. Ça, c'est le genre de bruit qui me fait des frissons. Peut-être ici, attendez. J'ai pas de check ici. C'est pas du tout le même cadavre tout à l'heure. Alors, pas du tout. Oh, je l'ai éclaté. J'ai littéralement tué un cadavre. Mais ça va pas, oh là là! Non mais je viens de là déjà. Ben non, mais je vois pas en fait là! Non, c'était pas le même, le premier était tout fondu, mais oui, t'as vu? Le week-end de 5 jours m'a pas aidé. Ah, ça nique ton rythme parfois. Ah, faut peut-être que j'aille ici. C'est officiel, c'est là que c'est la meilleure. Merci, c'est gentil, sens, bébou. La lecture du nom étrange. Mais non, mais attendez, pourquoi j'apparais là? Pourquoi quand je passe une porte, j'apparais là? Comme si... Je comprends pas. Il y a des trucs que je comprends pas là. Attendez, lecture du nom étrange. Dans un état des États-Unis, on sait même une ville, mais on va dire l'état juste. Hein. Il est illégal d'éternuer dans la rue. Et ça, c'était avant Covid, dites-vous. À votre avis, dans quel état est-il illégal d'éternuer dans la rue? Bon, bah, je sais pas. Faut peut-être que j'ouvre cette porte. Mais je sais pas comment. Faut peut-être que j'ouvre cette porte aussi. Mais je sais putain de pas comment. Attendez, il y a. Mais non, mais je vois pas, mais je comprends pas, attendez. S'ouvre par l'autre côté. Ah si, attendez, je crois que j'ai vu un truc. Oh putain, parcours. Faut que je passe, genre là, mais voilà, putain. Non, c'est pas la Californie, c'est pas le Texas. Y'a un mec là. Tu penses quoi, toi? Bon, perdu. On a un peu de musique incroyable. Non, c'est pas le Texas. C'est pas un état qu'on connaît généralement très bien quand on a... dont on parle énormément ou quoi que ce soit. Enfin, moi, en tout cas, je le connais pas trop. Je saurais pas dire quelle grande ville se trouve là-bas. Par exemple... Et c'est un état qui se compose en nord et sud. Enfin, c'est... En fait, il y a deux... Il y a le machin du nord, nana du nord et nana du sud. Voilà.
C'est, elle est trop bien cette arme, hein. Je l'aime beaucoup. Hein. Moi je l'ai tétra-éclate. Hein. Bim! Dans ta petite mouille! Ah! Elle est puant! Il pue du zob! Dégage! Mais oui, il pue clairement du zob! Regardez, c'est entre ses jambes que ça part là! Dégueulasse, va! Fais du fromage de tub! Ok, on dégage. Oh, j'ai glissé. Oh, j'ai reglissé, j'ai pas fait exprès. Hop là! J'ai mon petit sac à moi. Mais c'est mon sac qui pue en fait! Pardon, excusez-moi, je suis fatiguée. Caroline! Exactement. Ah! C'est pas des touristes. Oh! Ils font mal? Oui, tout à fait, c'est en Caroline, mais du nord ou du sud? Attention, hein. Choc ornénien là. Ça se joue pas au hasard, dis donc. Help, je me dead. C'est pas grave, tu vas peut-être revivre comme eux. Regarde cette super vie. Oh, ta gueule! Ah! Attendez. Mais j'ai des bombes! Eh non, non, vous prenez pas mon sac, hein! Sud, sud, nord. C'est Caroline du Nord! Celui qui a dit Nord, il a gagné un pied de table virtuel à utiliser chez tous nos magasins participants. Sub. Caroline du Sub! Vous voudriez pas essayer? Moi, c'est Lox, mais t'inquiète pas, on s'arrange. Je vais bouton. Non mais ça va pas. Ça va pas. Mais arrêtez de lécher mon sac enfin, c'est gênant. Mais ça attire les zombards en tout cas le sac hein. Heureusement il y a pas de barre de vie donc ça va. C'est ok. Ok tiens. Et regardez ça me régène à chaque fois que je fais un exécute comme ça. C'est type pas bien. Oh, ta tronche. Ah, ta tronche d'ailleurs elle est un petit peu décalquée. Voilà. Ah non, mais tu ris ou quoi? Ça va là? Non mais quoi? Je vais faire un Uber Eats, regarde comment je suis... Putain... Yeah, je suis trop heureux. Ravi pour toi, petit Bloody. Allez. Pourquoi ça clignote là? Regardez sur mon écran, ça fait ça. Mon poignet craque souvent. Pourquoi ça fait ça? C'est qu'il se passe des trucs. Non, mais il se passe des trucs, il se passe des dingues. Ah! Oh, faut que je me casse vite. Ça va exploser! L'ascenseur, il marche pas. L'escalier, il marche bien. Let's go. What is in a bag? Oh, j'ai pas. J'ai pas la ref. J'ai pas la ref, j'aime pas quand j'ai pas la ref. C'est quoi la ref? C'est une ref C'est une ref qu'il faut connaître en ce moment sur le Twitter. Les quatre brûlures, je dirais. Je dirais que je me suis fait brûler sous prétexte que je suis allée dans le feu. Je trouve ta conclusion un peu hâtive. Bien que je respecte son point de vue. Ah! Arrête! Oh non, mais il va... Oh, il va tellement cravater. Pas stressé, ça va. Ok, tiens. Oh, mais je m'en fous, je passe là. Mais merde, l'ascenseur marche. Chier ce sac. Tiens. Mais arrête de courir sur mon sac, enfin. T'es quasi mort en, l'atteignant. T'es re-mort. Si j'envoie. Attendez, idée de fou. Imaginons, j'envoie. Tiens, ça, de feu sur du feu. Feu au carré, ça s'annule. Je vais avoir de l'eau. Non mais ils sont 4400 là. Attendez. On va mettre de l'eau. C'est où? Ah non. Ah, bouge à lancer. À la place du feu, du coup, on va mettre de l'eau. Je pense que c'est une bonne strat. Ah mais je peux pas tout de suite. Arrête. 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 Oh je mets un F. Paye ton respect. Tiens. J'ai cramé tellement vite! J'ai paniqué, j'ai appuyé sur G. Ah, ils sont punis, regarde le mur. Alors toi ça va, hein. Ah,
Attends, je m'énerve bientôt. Putain, j'ai dit que je m'énervais. Pas besoin du tuto. Oh, il y en a une que je vais éclater là-bas aussi. Attends, je cherche les touches. Attends. Ouh là là, attends-toi. Ah non, mais je prends trop cher. Ok. Quoi coup B. On est prêt. Allez, on est. Tiens, je fais n'importe quoi. Nulachier, Nulachier. Ça va. On est presque. Pardon. Une rêve partie. Ah, c'est vrai. Les marqueurs de zombies brûlent. Ah oui, le... Quand ça brûle. Ok. Plus cher sur mobile le sub, mais sur PC, 3,99. Ah ouais, sur mobile, c'est plus cher, mais what the fuck? C'est sûr que c'est... C'est pas... Ah ouais? Non, mais c'est fou, je savais pas ça. Et du coup, salut Grail. Two second Grail FR. Avec l'accent. Pas évident de me conseiller, j'ai pas de PC, ah, je comprends. Bref, je paye 5 euros et vous 4, mais c'est fou. Il est sorti par la bite, celui-là. Hello, Lucas. Il y en a beaucoup qui m'ont follow ces derniers temps, des Lucas. Est-ce que c'est le nombre de comptes de la personne? Lucas. 9 289 111. Possible. Ça va être compliqué de continuer si tu t'électrocutes. Je m'électrocute pas, je me booste. Attention, Hagrid. Tentaculaire vénéneuse. Attention, Hagrid. Ok. On y va. On n'a pas peur. Hop là, petite esquive, tu vas faire quoi? Tu vas mettre une trempe évidemment dans ma petite gueule. Mais c'est pas grave. Pas grave parce qu'au pire je peux... Mais je peux plus escalader là du coup, c'est ça? Ah mais oui, mais c'est fermé! Plus aiguë encore, Locke, s'il te plaît! D'accord. Ok. C'est bon, j'en ai pas sur mes chaussures. Alors tout, tiens, voilà, hop. Non, arrête! J'ai bien jeté dans le feu au milieu de rien. J'ai cassé un truc, non? J'ai pas... Non! Oh, t'es trop coincé, loser! Ok, les pompes là, on va les éteindre. Arrêtez de manger mon sac. En vrai, il ne mange pas. Qu'est-ce que je suis... D'où je me presse? Attendez, je cherche les touches, c'est pas facile. Ah mais je vais pas les éteindre alors qu'ils sont pas en feu, c'est con. Sinon, si je leur fous le feu là, c'est quoi comme arme? Ah mais s'en foutent, c'est des pompes lards. Ah, y'a un truc qui va exploser. Ah mais trop chiant les pompes lards. J'attends ou j'éteins? Franchement, je vais attendre. Ouais, je vais recharger tranquille. Hop. Là, j'en charge tranquille. Arrête, toi! Tire de boule. C'est bon, c'est à peu près éteint. Oui, il faut un wack. Mais je peux faire ça. Et là? Là, ils font pas les malinois. Faut que j'en achève ou pas? Bon, je le prends parce que je crois que ça va être long sinon. J'entends des mouches. Mais pourquoi je...
peux passer par là. Qu'est-ce que je m'emmerde? C'est là, hein. Putain. Oh putain. Oh bordel. Mais y'a quoi dans son putain de sac? Hagrid dans Harry Potter? Non, c'est Sheridan. Merci. Pro player, merci. Mais non, non, mais c'est pas un sandwich au vert. Là, c'est un sandwich au caca. Au caca et au sang. Au sang fermenté. Je pouvais en rajouter, mais franchement, je me suis dit que j'allais m'arrêter là. Tiens, ta gueule! Ah, j'ai pas réussi à lui envoyer. Franchement, si c'est ça les 4 secondaires, je suis ravie de pas les avoir faites, hein. Oh là là, on lui apporte du caca. Ah, c'est un bras! Non, je regardais pas l'image. Oh, man. Byron's a hell of a guy, hey? C'est son bras à branlette. Always got your back. You could take on anything, you know? Best goddamn friend I ever had. Thanks for bringing it back. It's gonna be okay now. I'm gonna give you guys some space. Cool. Oh, wait. Hold on, your reward. Oh, non, non, non. As promised. With our heartfelt thanks. Yeah, bring it in, man. Comment tu sais? Ah, regarde comme il a tripote, hein. What, they thought they could separate me and my best bud? No. OMG! Je m'en vais. C'est un peu cringe. C'est le bras de sa femme. Ah bah voilà. Bras branlette. J'avais raison. Ok. Bon, on va faire une quête principale. Hein. D'accord, Denis. Let's go. Je vais réparer des trucs avant. J'ai ça aussi. J'ai ma hache. Bon, ok. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai des trucs dont je me servirai jamais. C'est bien ça. C'est bon. C'est là. Retrouvez Tisha. Oui, Lissad. Oui, c'est beau, je repars. Y'a un truc qui sonne là déjà? On se manie, hein. J'en ai marre de ce truc. Elle est où Tisha? Oh, ta gueule! C'est gratos. Je vais pas. Ah! J'ai oublié comment on faisait. J'ai oublié tout, je joue trop de jeux en ce moment, je joue trop de jeux différents. Je m'en vais, je me file, je me balle. Je suis des termes. J'ai l'air qu'ils ont fait des missions pour chercher des bras. J'y peux rien! T'avais pas vu ça chez Gino quand elle y jouait? Écoutez. Non mais c'est pas que je suis déchaînée, c'est que j'ai pas beaucoup dormi, alors tiens dans ta gueule toi. Hop là, je m'en vais en fait. Tisha. Tisha. On y va. Regardez ce qu'il y a quoi, putain. Ah, ça m'a explosé à la gueule. Ça a explosé pour rien en plus. T'as fini d'être énervé? Hein? J'appuie sur tous les boutons. Attends. Red Bull, hop là, tac. J'ai bu le Red Bull. Attendez. C'est quoi? Non. Je vais prendre. Attendez. Là, il faut que je. Je fasse le point. Ça, c'est de la flotte, on s'en fout. Mettre du feu. Le feu, c'est bien. J'ai fait des coups de pied et tout. Non. Arrête. Je suis tous. Attends, j'ai une hache. Alors là, ma hache.
Oh, ma hache d'orque là. Arrête. J'ai oublié la touche pour parer. Mais arrête. C'est chiant. C'est chiant parce que en fait les animations de mon perso sont tellement longues et les siennes sont tellement rapides. Alors forcément j'ai un désavantage, mais au bout d'un moment faut bien que ce désavantage soit compensé par quelque chose et ben je trouve pas quoi. Dans ta gueule. Ça explose deux minutes après, please quoi. J'arrive pas à parer. Et toi t'étais pas là il y a une seconde, tu te fous de moi. Ok. Là. Je tape toujours des trucs hein, mais ça se rajoute. Il est où? Lui va exploser lui. Ok. Il est où l'autre? Il est parti hein. Il est parti ce bâtard. Je meurs. Oh j'ai buté. Oh je t'ai buté dans ma rage. Oh elle est trop deg. Oh t'es trop nul. Bon je me tire. Je ne te serai pas infidèle, le jeu je le suis ici. Merci ça, c'est trop mignon. J'ai l'impression de la taper elle alors qu'elle m'a rien fait. Voilà. Ok. Je sais plus où je dois aller, là. Deuxième étage. Glissade. C'était gratuit. Oh mais là je peux glisser. De... Non. J'ai bien glissé dans le sang. Hop. Glissade dans les sources. Comme d'hab, je vais mettre 2 ans à trouver l'entrée, c'est ça? Ça va. Écraseur. Ça, je m'en fous des écraseurs. Ah, j'ai bien lancé, disons. J'ai bien visé là. GG, merci! Mais là, je vais y redaille. Non, non, non. Je me heal. Ok. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Essaye de parer, mais il vise mal. Crétin. Vise bien, toi, là. Oh, c'est bien coutume, mutuel. Hop là. C'est quoi ce peupon useless, là? Il est pas fou, mon peupon, hein. Dingue de mon poupon là. Mais bon, je pensais que c'était plus puissant quand même, mais il est pas très puissant celui-là. Il picote quoi. J'ai l'impression que j'en vois juste un peu de sable avec. Ça fait mal si c'est dans les yeux, mais quand t'es pas vivant, tu t'en fous d'avoir mal aux yeux. Ah, j'ai mis un fusible. Ça fait quoi? Bah, c'est super ça. On m'assume par un traquenard. Ah ouais, ça sert à ça d'avoir des fusibles sur soi. Mais faut voir. C'est quoi qui me gêne là? Je peux pas avancer là. J'ai eu quoi? Oh, épée tactique. J'ai eu une épée tactique. Le dégât 465, mais puissance 340. Ça a l'air bien. Ça a l'air très bien. Je vais mettre à la place du peupon inutile. Mais faut que je l'améliore. On va le voir déjà. Déjà, il est beau. Il est vraiment très beau. Ah, mais ça, ça doit être Tisha qui a fait n'importe quoi. Ouais, bah, eh, franchement. C'est quel niveau de bling-blingerie, de solapétagerie que tu as des, dans un monde apocalyptique où tu tues des zombies et tout ça, tu utilises des flèches qui clignotent. Franchement. Ça se la pète vraiment beaucoup. Donc, je suis dit, un peu bon. VS, c'est un coup de pompe dans la gueule. Bah, mon coup de pompe, il est plus utile, hein. Bumbaclou. Oh, bien ça. Oh, intéressant.
Du coup, évidemment, elle est pas là. Elle est plus là. N'importe quoi, ce coussin. Voilà. Ah, mais il y a quelqu'un là-bas. Ah non, ça doit être la, bah, la radio. Oh, il y a Tisha qui fait la gueule. Il y a des gens qui sont en gueule. Dans l'ambiance, hein. Coucou. Alors, ça fait quoi? Un gay. Learning. Ruben's gotta be involved if it's the CDC. He's the shadiest fucker. Oh là là, vous m'énervez déjà tellement. Oh. Hey. This place is awesome. Making me wish I went to college. Oui. Je loot avant. Bonjour Tisha. It's the runaway. Your dad's freaking the fuck out. Voilà la fugueuse. Coûte combien le jeu? Je sais pas, on doit être sur du 40-50, non? Why'd you say that? Because it feels like there's stuff he's not telling me. Attendez, je vais regarder. Yeah, join the club. There's this insane lady. She basically tried to kill me. And ever since then, I've been feeling, I don't know, different. The crazy thing is, your dad knows this woman, and she was just there in his office. Ah oui, du coup, on a croisé la meuf qu'on a vue dans nos... Enfin, où je pensais qu'on avait eu des hallucinations. Je sais pas qui c'est. She's just wandering around this nightmare like it's nothing. That's pretty crazy, even for her. I need to ask her some serious questions. But first, we gotta get you back. Ah ouais, non, il est plutôt à 60-70. Chica, don't make me drag you. 19,99 sur Steam, mais non, y'a rien. Look, we both wanna know what's going on. Un corps au goût, c'est sûr. Right? If I give you a direct line to Lola, can you give me more time to investigate? Oh, okay, c'est... Oh! Look, there's bon, a data blackout, right? Bon, j'ai pas le choix, no internet, no nothing. But our resident hacker, Ava, has found data packets routing between the Serling, CDC HQ, and the Rampgate building. It might clue us up. T'es toujours accuse si t'as plus internet, en vrai? Maybe. What's this hotline to Conrad? Ouais, Omar. I got a code phrase. Look, you go to an OSK store and say 12 Sambuca Karaoke Queens to the OS. 12 Sambuca Reine du Karaoke? Fuck! She's that, Conrad? Yeah, and if she's involved, it's something wild. Alright, you're on. But we're partners, okay? Anything we find, we share. Yeah, I was gonna say the same thing. Cool. Welcome to the Mushroom Club. Il vous avait un nom. Ça me donne envie de rester accroupi. Quoi? M'emmerde pas, hein. Ça m'a déjà saoulé, là, de venir jusqu'ici. Pour voir des glandeurs de la fac en train de faire des tableaux qui n'ont aucun sens, aucun... What's the Mushroom Club? C'est un truc pour se la péter, c'est tout. Mushroom Club, c'est doux, parce qu'on nous laisse dans le noir et qu'on n'arrête pas de nous chier dessus. Oh, les bibous! Vous n'avez pas bossé à McDo, vous, hein. Oh putain! Bonsoir, signe blanc! Passons au coup de temps, faire un petit coucou à tout le monde! Perso, moi je suis en train de réviser ma physique. Il y a des révisions beaucoup en ce moment. Dans mon chat, vous êtes 2-3 à en parler. Bon courage pour vos examens, vos partiels et tout. Et tout, toutes les épreuves qui arrivent en ce moment. Bon courage! Et vous avez raison, effectivement. Allez, allez réviser. Sans commentaire, j'ai trop le seum. Bon courage, bon courage. Je compatis beaucoup. J'ai parlé un peu de mon mémoire tout à l'heure et c'est... c'est un traumatisme. Hein. Plein de courage aux étudiants et aux étudiantes. Vous verrez, ça passe très vite. Oh putain toi, je te fais ça. Mais mon coup de pied est très puissant. Faut que je fasse quoi? Faut que j'aille à contacter Conrad. Contacter Conrad. What the fuck? Mais c'est quoi ces arrosages auto complètement fuckés? Et pourquoi ils sont encore en marche? C'est l'apocalypse, l'eau merde. Quoi?
Bon, j'avoue, ça, comme ça, je peux utiliser l'électricité. Mais j'utilise plus maintenant. Je n'électrise plus. Je suis passée aux dégâts physiques et aux dégâts de saignement. J'ai appris sur Alden. Ok. On va visiter un peu avant. Oh, oh, je vais tout péter là-dedans. Oh, je vais tout péter. Mais avant, on va regarder un petit peu quand même. Mais je pense que là-bas, je vais visiter tantôt. Hein. Les missions, elles me feront visiter là-bas. Lizard ! Je vais regarder le livret. Ce sera ciao les révisions. Sinon, je... Ah oui, je quitte direct, sinon je vais regarder le live et ce sera ciao les révisions. Je comprends, des bisous, des bisous. Oh, la musique ! Incroyable, j'ai une musique. J'ai une ambiance sonore dans ce jeu. Parce que quand on joue... Ah là là ! En mode streamer, c'est pas dingue l'ambiance sonore. On va dire que les musiques sont souvent absentes. Ou pas dingues. Il y en a qui sont bien, mais... Mais elles sont pas toutes très marquantes, quoi. De la thune ! Bah, il m'en faut, remarque. Attention! Faudrait que je mette de l'eau. Ah bah toi! Non, mais je suis pas concentrée. Je vais aller dans la boutique. Je m'occupe de ça, je vais dans la boutique. J'arrête de me disperser. Ou alors je m'en occupe pas, je vais dans la boutique. Je viens aussi. T'es badass. Bien la boutique. Ouais, enfin j'appelle ça la boutique, mais oui c'est ça la boutique, oui. Fille de la boutique. Ok. Oh putain. 12 Sambuca karaoke queens. Ok, where's the scope? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais n'importe. Quand elle est tombée comme une merde. Bien gros. J'aurais dû me douter que ça ferait ça, j'ai pris une arme à distance exprès pour éviter. C'est un jour de solde, quoi. Je trouve de solde. Maintenant, les soldes, c'est tellement... C'est tellement plus des appareils que t'achètes jamais en boutique, quoi. En vrai, hein. Qui va dans un magasin acheter ça? Genre, il y a encore des gens qui ne commandent plus leur matos informatique et numérique. Je dis pas que c'est une bonne chose, hein, mais j'ai l'impression que maintenant... Je ne fais plus jamais aller en boutique. J'ai l'impression de taper sur du rien là. Je fais rien du tout hein. Et ça alors, ça vous fait rien? Oh non, ça vous fait rien. Bon. Attends. Ah oui, immunisé. On va trouver autre chose, on va trouver autre chose. Oh non! J'ai plus beaucoup de balles! Elle était vénère de ouf, elle. Comment ça se fait? Chercher la carte magnétique. Ah ouais, non mais j'ai encore oublié ce que je devais faire. Oh tiens. Oh c'est lent. Oh comment c'est lent, ça m'énerve. Non, ça. Non, ça. Oh ta gueule. Pissade. Une carte magnétique. Ok. Je vais loot tout ce qui brille. Et au bout d'un moment, je saurai où aller. Ah bah voilà, fallait bien que j'aille par là, je savais.
Par où? Traquer Henry et sa carte magnétique, sacré riton. Hey Henry, there you are. Comment elle le sait que c'est Henry? Je veux dire, moi je le sais parce que c'est écrit au-dessus de sa tête. Mais elle, comment elle le sait? Ah, c'est agaçant. Not the pass. It's server time. On essaye. Après, je vais où? Je suis pas concentré. Oh! Du loot. Looks like a load of servers. Courant électrique. Faut que j'en mette le courant, c'est ça? Hop là, j'ai remis le courant. All right. Passphrase better not be a prank. Tisha's gonna meet seriously pissed, Garda. Ah, j'ai ça aussi. Pas mal ça. Très bien. Clique le message codé au scope. OSK fanboys. Shut up about interconnectivity. Et les tous. Oh merde! Colère sanguinaire, c'est vraiment trop cool quand même. Vraiment que ça dure un peu plus longtemps. En fait, ça dure tout le temps et genre, je meurs jamais. Et je réussis tout. Et je deviens la reine du gaming. Après, une statue sera construite à ma gloire. Et vous pourrez y aller en pèlerinage, offrir des subs. Au profit des petits enfants qui n'auront pas assez d'argent pour me faire des dons. Du coup, pourront me faire des dons grâce à votre pèlerinage. Message codé au scope. Glissade. Ah, ça. Here it goes. 12. Le bois aboie quand je bois. Eschaton. Noun. Theological. The end of the world. The end times. La fin du monde. La fin des temps. Final event in the divine plan. Le dernier acte de Julien. Du grec, escargouche. Conrad, Lola Conrad. I want to talk to her. Hey. Bonjour. Je suis docteur Reed, mais vous pouvez m'appeler Ruben. Noah. They told me there's something. Moi, c'est Noah, mais on m'a dit qu'il y a quelque chose de. Hein? Je suis chute. Votre particularité va rester entre nous pour l'instant. Okay. D'accord, sure. Il était question d'un Ruben, c'est ça? It's about a cure. Si nos résultats préliminaires sont corrects, votre sang contient un vrai miracle. Oh, maintenant, vous avez trouvé l'humanité à une chance. Tu perds et donc, qu'est-ce que je vais devenir? Vous prenez juste un peu de sang? On a besoin de vous dans notre labo d'Ocean Avenue. L'équipement est là-bas. Et avec les réponses à toutes les questions, fin de phrase que j'ai pas eu le temps de dire. D'accord, c'est vous le docteur Bissou. Tu n'es pas unique, meuf. Zephron, it didn't work. Qu'est-ce que c'est ce clip encore? Ah mince, attendez, j'ai pas fini. Pas génial, notre ami Noah là. Il faut un nouveau volontaire. On a encore trouvé personne. Il devait en avoir un, les enjeux sont colossaux, continuez à chercher. Hijo de puta! What the fuck? J'ai trouvé ce labo. J'ai pas lu en fait, mais c'est... ils vont trop vite, ils parlent trop vite. Je vais casser une vitre. Un texto? No sign of Conrad, but I got a lead on a lab your dad was using. I'll keep you updated. Got it. Me and Ava are in the Rangate Security Center. There's definitely data moving in and out. Go Team Mushroom. Two. Yeah. Our answer's got to be in that lab. I'll call you. C'est le fichier image qu'on vous a envoyé pour trouver le laboratoire du Dr. Reed sur Ocean Avenue. Oh, faut que je travaille. Bon, Ocean Avenue, déjà c'est là. Ah, mais moi je dois aller là. Les images. Quête. Journalier.
faut que j'aille là. C'est ça en gros ? Alors c'est quoi ? Agrandir 1. Ouais. D'accord, il y a un panneau, attention, do not. Quelque chose, je n'arrive pas à lire. Ocean Avenue. Ah ! Ocean Avenue, c'est par là ? Pas du tout. Totalement opposé. Ta gueule, toi, dans ta gueule. Je peux ouvrir ça ? Oui. Ah, mais comme ça, je pourrais ouvrir aussi cette porte. Et ça me fera un super raccourci. Ah, ça va. Bon, j'ai plus. Ensuite, faut que j'aille où ? Bon, je continue par là et c'est good. Ah, mais c'est ici ? Un peu, non ? Il y avait un panneau do not. Ah ouais, attendez, ça a l'air un peu là-bas. Quoi ? Nouvelle quête secondaire, scoop. Et quoi ? J'ai mis... Trouver aider les survivants dans le bureau LA24 New Ocean Avenue. Oh là là ! Mais comment je sais ? De la LA24 News sur Ocean Avenue. Mais Ocean Avenue, il y a beaucoup de choses à trouver. Faut qu'on me donne un peu plus d'infos là. Qu'est-ce que c'était ? Un zombie ? Ici ? Un panneau ? Non. C'est pas Ocean Avenue là ? Oh putain ! Mais j'ai été dans le mauvais sens ! Ah, faut que je suive les panneaux. Ça c'est Silicon. Ça c'est Stalker. Là-bas. Ok. Ah voilà. Là je suis dans la grande avenue. Oh. Ah mais oui, mais on est déjà allé. Alors la LN, elle est la... Ouais c'est ça, la LA24. Est-ce qu'il y a sur la map ? Bah non. Et comment je sais où est-ce que c'est les bureaux de la LA24 ? Bon là c'est le Sterling Hotel. Giallo, ça peut pas être ça. Rien à voir avec Gilo. Là il y a des... C'est pas des bureaux, c'est des appartements. Et la fin de la map un peu hein. Aïe aïe aïe. Je sais pas où c'est. Comment je suis censée savoir où c'est? Mais je crois que je vais pas les aider hein. J'ai essayé de regarder mes quêtes, mais ça n'a pas marché. Bah j'ai rien. Dans le bureau de LA 24 News sur Ocean Avenue. Bah ouais hein. Bah yes hein. On sait que c'est au Sterling Hotel. Bah non, c'est pas des bureaux un hôtel, c'est un hôtel en fait. Ah ça, LA 24 News. Je suis passée devant. J'avais pas vu. C'est l'eau. Évidemment, les entrées sont pas accessibles. Mais arrêtez ! Oh, ça me saoule ! Oh. Et si je sais pas comment rentrer, je me tire. Si on m'aide pas, je me tire direct.
Non, bah je sais pas. Je sais pas comment rentrer. Comme d'hab, le jeu il m'aide pas. Est-ce qu'il y a une entrée de garage? De parking, genre. Ah non. On me saoule lui à me suivre. Voilà, je pète ça. Bah je vois pas comment les aider les autres là. Il y a des survivants dans le bureau. Ouais d'accord. Mais faut que je puisse rentrer en fait. J'en ai marre des missions qui me disent aller quelque part où c'est fermé de partout et je dois trouver. Par quel putain de miracle je peux rentrer dans un bâtiment que le jeu n'a même pas conceptualisé. C'est trop attaqué tout le temps, c'est chiant. Quel emmerdement de fou. Alors. Est-ce qu'il faut que je monte à l'échafaudage? C'était bleu si peau ça. Non. Ah, c'était ça. Oh, emmerdement maximal quand même. This looks breakable. Évidemment, il faut des badges, des cartes magnétiques, c'est génial. Tout s'éclate. Very spooky. Much mystery. Oh, t'as vu pire, meuf. Looks like they kept themselves busy. Good plan, guys. Not sure it worked out though. Qu'il y a personne et que c'est un message enregistré, je sais pas pourquoi. Ah, nouvelle carte de survivant, la peau dure. Qu'est-ce que c'est, hein? Alors, donne un bonus modéré de résistance pour mieux encaisser les attaques physiques, mais une réduction mineure de résilience. Ouais non, je veux pas. Je n'aime pas les avantages qui en fait sont aussi un des avantages. Je trouve ça un petit peu dommage. Passe de sécurité. Ah j'ai un passe de sécurité mais je peux pas rentrer là du coup. Et bien nous. Alors là. Ah, ça me gratte le doigt. Tac. It's cool. Salut. Hey, I've seen you on TV. Oui, on est sur une chaîne de télé. Ah, j'ai mis à la télé, Mon chourin. Oh God, you nearly gave me a heart attack. You got the message. Loud and clear. Smash the window. Sorry. And then I just came through the lobby. Qu'est-ce que c'est? Et du coup, il y a plein de zombies qui vont venir. Guy in there. I know. We've been here reporting since it all started, telling truth to the people. Rebonsoir, Trapide. Until we realized no one was getting our broadcast. We thought we could survive long enough to get the story out. But you saw David. There's something in here with us. Cool. Ominous. Love it. You got a new plan? The others are busy upstairs. Ne me fais droit, t'as fait penser à Trinity. If you get the service, moins de profil, mais un peu de face. Surveillance cameras to track whatever this thing is. And then I get to kill it, right? I love that bit. I'm Esther, by the way. Though you already know that. And this is Nora. Carla. And don't worry. Whatever this thing is, I've killed way worse. Ah, ok. J'ai pas lu.
Si c'était dans le jeu, j'étais toujours là pour une fois. Ouais, en plus, on a vu ton émote. Effectivement. Je pourrais savoir au sous-sol. Dis-moi où c'est, s'il te plaît. Dis-moi où c'est, s'il te plaît, le jeu, s'il te plaît. Me laisse pas chercher, s'il te plaît. C'est par là. Oh, ça je prends. C'est pour faire des soins. J'ai pas de bonjour en émote. Ah, oh, faudrait peut-être qu'on essaye de bosser là-dessus là. Ouhou. Oh, je les marave. Quoi, y'a un truc derrière moi? Non, c'est bon. Du décorum. Oh, je sais, je vais foutre le feu à lui. Sinon, elle va toujours faire des crises d'électricité là. On loot doucement. Voilà. Les serveurs au sol. Ah, mais attendez, il y a des trucs là. Voilà. Voilà. Ok. Donc je redémarre des trucs. Pas de soucis. J'ai mes outils. Comment que je fais? Ah, j'appuie sur F. Rise and shine. Oui. Redémarrer les serveurs. Il y a sûrement un autre truc à faire alors. C'est bon? Ah, il va y avoir un boss évidemment. Yeah, no biggie. Oh my god. Something's happened. You need to get to the conference room right now. Go up the stairs twice, then be ready. Ah, il va m'exploser la gueule. Je me suis gardé à temps. Je ne sais pas. Il va faire son truc là, il va faire son truc. Est-ce qu'il tue un peu ses potes en même temps? Je sais pas. Hein. Je vais attendre, hein. Pas le choix du tout. Oh mais la tronche du zombie là, t'es... Y a rien qui tient debout. Ça se voit quand même, faut arrêter. Qu'est-ce que je dois mettre? Oh ok, j'ai un soin. C'est bon? J'ai trop vite. Hein?
coucou. Ça n'a aucun sens. Coucou, Serfmoine. Ok, Constant. OSK. Also, Constant OS. The operating system created by Conrad Realities. Oh, j'ai pas les clés. C'est ici. Non. Non, j'ai bien fouillé, je trouve. Thématique. Ah mais non. La chose est un boucher. Tuez-le. Ah. Coincé en fait. Je suis coincé. Oh, je pouvais parer. Je parais de fou là. Je loot. Ah non, je pensais que j'avais looté de la bouffe. Pas du tout. Avec la musique de journal télé. Voilà. Petit Red Bull. Voilà. Mais je pars là, putain! Non, je vais... Ah, tête cette arme. Quand est-ce que j'ai ma rage là? Ah oui, faut pas que je laisse bouffer un cadavre, sinon il serait gêné. Prends ma rage, mais ouais, mais là, ça fait rien là. Ah, sont cachés. Pas fini? Oh, j'ai une nouvelle carte, je vais regarder quand même. Survivant. Mon coucou, la colère sanguinaire, tu la zones bien ronde, la colère sanguinaire. Oh, c'est bien ça! Je vais tester. Ok, je vais tester ça. C'est quoi que j'ai pris pour tes rencontres en plus de santé? C'est bien, cri de cœur, rend de la santé. Bloquer déclenche une forte explosion et bloquer ou esquiver au bon moment rend de la santé. Sinon je prends plus de santé, c'est déjà bien. Non, je vais prendre moins de santé, mais je vais prendre ça. Oh, une arme légendaire. Ok. Les meufs vont bien. Ouh! Coucou! Yeah, they've had their 15 minutes. You guys okay? We're fine. Fuck. Hello, Serfouille. Without you, we'd be dead like the others. I'll lift the shutters. We need to get our things and deal with the bodies. Where are you gonna go now? Ah, t'as le caca gougou de Mintos, t'avais pas vu. I'm not missing the chance of a lifetime. Heard a lot about the military evacuation on the beach. It's time we saw it for ourselves. It's no picnic. Oh non, mais je veux pas ça. Great headline, no doubt. Maybe see you there then. You ladies will be all right. You're strong ones. Stay safe, eh? You too. Bon, quête principale, hein, ça m'a saoulé moi ça. Encore. Ah, nouvelle carte de tueur. Qu'est-ce que je peux mettre du coup? Ah non, je pensais que je pouvais en mettre une là. Oh non, je peux pas. Alors c'est quoi ça? Entrer dans la danse, les zombies n'ont pas la... de chance. Glissette donne un bonus modéré d'agilité. Non. Ils n'ont pas de chance, c'était ça. Compétence autophage. On va tout déchirer en colère sanguinaire. Un bonus majeur de dégâts et de force. Mes attaques dépensent plus de colère sanguinaire. Bon. Pour le moment, je vais rester comme ça. J'ai même pas de quoi me réparer et tout ici, genre j'ai vraiment beaucoup investi de mon temps, de mes armes, de mes outils, de tout. Je peux même pas me réparer. Allez, on retourne à Ocean Avenue.
Moi, j'ai pas de table de craft, hein. J'en ai pas vu. Moi, j'en ai pas vu, hein. J'aime pas par où je peux sortir. Suivant le sens, c'est bien ou pas? Ah oui, je suis venue par là, je crois. Enfin, depuis là. Ici, là-bas. Putain, c'est là où je viens. J'ai envie de m'éclater la tronche. Ah, peut-être ici, petite table de craft, là, non? Ah non. Chambre de repos. Bon, je me tire. Mais c'est d'où je viens? J'en peux plus de ma gueule! Il y a de la lumière ici, Lox. C'est sûrement de là la sortie, Lox. Ocean Avenue, il faut que je trouve les images de le bus. Alors, attendez. On va là. Quête. C'est ça. Le service numéro 7 du Round Gate. Round Gate. Que si je fais ça, je vois un truc qui s'appelle Round Gate. Pas du tout. Ça va être chiant. Mais c'est pas au Sterling Hotel? Par Rossard? Oh, je crois pas, hein. Mais du feu derrière moi. Ça, ils galèrent à me suivre, les autres, là. Les nulos. Ça, c'est d'où je viens. Pour toi, tu vas me saouler. J'ai pas pu lui éclater la tronche à cause d'eux, là. J'enchaîne. Quoi? Peut-être là-bas? C'est vraiment très chiant de chercher quelque chose avec tout le spawn permanent qu'il y a. C'est un peu lourd. Non! Ça va être chiant, on va entendre des bruits d'âge. Attendez, je vais régler ça. Ah, je sais plus comment stop. J'avais trouvé une fois. J'avais pu stopper l'audio. C'était horrible. Non, c'est pas par là. Je suis désolée pour l'audio. C'est insupportable. On entend juste des bruitages. Ah, ta gueule, le jeu! Oh, moi, je déteste, hein. C'est nul. En plus, c'est toujours la même chose à chaque fois qu'on a un audio dans ce jeu. C'est toujours la même chose. On entend quelqu'un qui parle, puis quelqu'un qui se transforme, puis quelqu'un qui se fait bouffer. Et c'est toujours ça. Et on entend des bruits de mastication. Et allez vous faire foutre. J'avais réussi à arrêter une fois l'enregistrement, mais je sais plus comment. Bon, bah, je ne sais pas où c'est, le fichier. Ouais, laboratoire du Dr. Reed. C'est peut-être genre dans les avenues un petit peu par là, genre. Peut-être, hein. Bah non, je pense pas. En plus, vu que je suis obligée de courir en permanence, parce que je suis poursuivie en permanence, ça laisse pas beaucoup la possibilité de juste regarder et savoir si on est au bon endroit. C'est pas simple. Arrête. Eh, vraiment, c'est putain de lourd. Ok, j'avais misé sur le fait que c'était peut-être dans ce coin-là. Mais non, ça a pas l'air. Je vais remettre. Alors,
mais on voit rien sur cette putain d'image. Pourquoi il joue encore? C'est moins pire que le multi avec nous peut-être. Bah, parce que j'aime bien le jeu, mais il y a plein de trucs chiants. C'est peut-être le droit des fois d'en parler, faut peut-être arrêter de me prendre la tête juste parce que je pointe des trucs qui sont pas terribles. Je vais pas mentir, hein, je vais pas faire semblant d'aimer des trucs que je n'aime pas, en fait. Je suis pas payée, donc aucun intérêt à le faire. Le jour où je serai payée, vous inquiétez pas, je me plaindrai jamais du jeu. Ah, je serai la meilleure Yonkly ever. Hein. Mais c'est pas le cas, alors j'ai le droit d'être honnête. Alors je suis... C'est lourd. Putain de lourd. Bah écoutez, je vois pas. Peut-être si... Mais non, mais je viens de là-bas. Pour chercher. Ok, j'ai l'impression que c'est un peu dans ce coin là, mais je suis pas sûre. Mais ils disent que c'est à Ocean Avenue, on est d'accord, hein. Faut pas que je m'excentre trop, non. Je suis sûre que c'est en fait beaucoup plus loin. Faire une capture d'écran, ça me gonfle. Alors, vous allez me dire, vous criez dans le chat si vous voyez. Ok, ah voilà, j'arrive pas à lancer. Ah mais non, c'est vrai que je peux pas... Ça va pas marcher, le... Ouais. Bon, c'est pas grave. Je peux pas le mettre sur la scène, désolé, mais je le regarde. En tout cas, ici, j'aimerais bien que ça... Ça va pas se mettre en plein écran, s'il te plaît, mettre en plein écran. Ok. Je m'appuie un petit peu moins fort, là. Je vais mettre encore un petit peu moins fort. J'ai le truc. Peut-être par là. J'en ai aucune idée, hein. Vraiment, ça m'aide pas du tout. Ah, peut-être par là. Ah, pourquoi tu as dit de crier? Je sais pas. Pour vous dire que vous pouviez. Est-ce que c'est par là? Ça a pas trop l'air. Quoi qu'il y ait une camionnette comme ça? Est-ce qu'elle a... Non. Une camionnette avec une parabole. Dans les couilles. Je m'en suis pris plein ma gueule. C'est là-bas. Oh, j'ai trouvé. Oh, bordel. Ok. C'est ici. Je crois qu'on est à proximité de l'entrée du truc de Dr. Reed. Yo, Tisha. I'm at the Rand Gate, too. Any chance you can get loading bay 7 open? Sure can. So the lab's in the building. I'm on my way. I'm gonna find out. See you in there. CDC, guys. Je ferais pas dormir pour les sanctuaires sur Zelda, c'est vrai? C'est galéré? Mais. Oh merde. Ok. Je dis de la fermer, sinon elle va tirer d'autres mobs. Ah putain, j'ai pris trop cher. Oh, j'ai cassé mon truc, je crois. Je veux pas regarder des streams pour pas me spoil, mais je trouve pas la soluce. Ça dure 12 ans plus le jeu. Comment je trouve pas? Ah, y en a qui sont... Y a des sanctuaires qui sont pas simples du tout, hein. Y en a où c'est vraiment basique, mais y en a qui sont vraiment durs. Franchement, même nous... qui avons pourtant l'habitude du premier, et ben on a bugué sur certains, on est... Mais attends.
Et des fois, tu le résous le truc qui était là. Je crois que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Je sais pas si c'était ça qui était prévu par le jeu, en vrai. Allez, ouvre-moi ça, je t'en supplie. Voilà, j'essaie de me focus sur elle. Ok, BJ Wham. On s'en est sorti. Ouais. L'effet va dinguer dans tous les sens. Et oui, j'utilise le mot valdinguer. Et pourquoi pas après tout? Moi ça me plaît. Est-ce que je peux avoir un endroit pour me réparer? Bah bien sûr que non. Pourquoi faire hein? Un peu déçu. Quoi? B? Non, c'est bon. Ah! J'ai vu des trucs. C'est bon. Triple. They're not fucking around. Trouver le labo. Bah, je l'ai trouvé, mais je peux pas rentrer. Truc magnétique, ok. Ouais, faut que je pète ça. Et là, ça devrait être good. Ah non? Mais j'ai pété le truc magnétique. On avait deux à péter, c'est ça. C'est bon maintenant? Non, il y a 10 triples, donc il y en a 3. Oh, le dernier, là-bas. Pas du tout. Pas du tout. Avec ça. Ah, ici! C'est bon? No more secrets, doctor. La réponse la plus probable étant connard trapile, suis l'histoire et va pas t'aventurer là où tu dois pas. Mais si, dans ce jeu, faut surtout s'aventurer. Tu as raison. Non, mais c'est normal, le jeu te laisse volontairement un peu explorer comme tu veux, comme tu le sens. Il t'oriente légèrement à certains moments, mais c'est tout quoi. Et c'est trop bien. On va looter avant. Est-ce que je peux me réparer quelque part quand même? Parce que là, ça commence à être compliqué là. Oh, je vais tellement avoir un boss ici, j'aurai plus d'armes clean. Et je serai un peu déçu. Et ben malheureusement, je ne trouve pas de quoi réparer mes armes. Je pensais vraiment que c'était un établi ça, mais non. Je pète un peu tout au cas où il y a un truc caché, mais non. Donc ça va être vite. Merde. Peut-être attendre que ça recharge ça, moi. Et ici, il n'y avait pas non plus. Hein. Non, je cherchais déjà. Bon bah tant pis. On va activer l'événement. Oh fuck. That's the Noah guy. Was I next in line? Et ouais, ils font ça des immunisés. Ils leur éclatent la gueule gratos parce qu'ils sont jaloux. Sachant que j'ai pas fait le Zelda Breath of the Wild, tu rentabilises enfin ma Switch. Oui, mais c'est ça en plus, toi t'as pas fait Breath of the Wild, donc tu commences avec Tears of the Kingdom qui est faisable en n'ayant pas fait le Breath of the Wild. Mais
les énigmes et tout, t'auras pas forcément la manière de penser, voilà. C'est moins réflexe, quoi. Donc merci. Écoute, j'espère que tu kiffes, en tout cas. Ah, cinématique ! Bon, on va tellement avoir un truc qui va arriver dans notre dos, là. Mais c'est une horrible idée ! Ok. Well, this is going nowhere fast. Oui. The only person who can give me answers is the doc, whether he... Whoa. Hi, Noah. You're non, mais c'est... pretty good for a dead guy. Well, okay, not good, good. Non, mais tais-toi, Carla, va-t'en, j'en supplie. Oh. Wow. Allez, à nouveau. Let's go. On va déjà faire ça. Hein. On va courir un peu. Hop là, hop là. Merde, je suis pas paré au bon moment. Bon. Eh ben c'est parti hein. Quoi qui m'a explosé? Oh, il y avait un tonal derrière moi, ça des cute. J'ai dit. Ça veut dire cours. Dans mon langage étrange. Je me fais éclater, c'est quoi qui se passe derrière moi? Je sais pas, je sais pas. Je vais juste chercher les barres de céréales que j'ai vues un peu partout et que j'ai pas pu loot. Et là, je les cherche et je les trouve évidemment pas. Et en plus, j'ai que deux soins alors ce serait... Ah, c'en est pas. Ici. Non, c'est des lames aussi. Mais je vais... Tu deg? J'ai vu pourtant. Il y avait des barres de céréales partout. Ah. Dégueu. Pourquoi le son il est très atténué d'un coup? J'ai rien fait hein. J'ai baissé tout seul. Je m'en fous de ça, je m'en fous. Bon, j'augmente un peu le son parce que là, c'est très... Alors, on n'a pas de musique en plus. Je vais mettre une petite musique quand même. On n'a rien. Oh mince, plastique duck, il est toujours on. J'éteins. Ok, ça, on s'en fout. Je mets une petite musique parce que là, le boss... Pas trop de musique parfaite pour le boss, mais... Ah, oh, faudrait du Megalovania. Stylé ça, non? Toujours stylé, Megalovania. Ok, on va rendre ça un peu plus épique. Une barre de céréales ici, vite, je l'ai prise. Ah,
Allez, stop, supprime ma rage, la monte. Oui. Ok. Ça, le fait qu'on se transforme nous-mêmes en zombies. Fin du game. Voilà, comment ma marave. C'est violent de fou. I'm scared. Kind of freaky, huh? You hit rock bottom. Bounced hard. You're gonna feel that one for a while. Living for the drama, I see. Pas de bouche qui bouge là. Ouais. Ah, putain, c'est comme si on lisait dans ses pensées, c'est trop bizarre. The rebirth is never easy. La résistance n'est jamais facile. Oh, merci. We all needed help through this one. We are rare. Precious. Just tell me, what the fuck am I? We are. Well. Reuben calls us Newman. Newman. We are the endpoint. Humanity distilled. I'm sorry. I had to push you hard. There is some cataclysm level shit coming down the line. It won't wait. And it's not. C'est pas déjà arrivé en vrai, la merde cataclysmique là? Like us can carry humanity through it. Mm-hmm. Okay. Plague? Ruben's gonna stop it. Make a vaccine. There is no plague. Hmm? Ruben. He was a good man once. What? But now he is blinded by desperation. He's not making a cure. Sure he is. Mais il fait quoi alors? Because he can't. No one can. Ah oui, d'accord. Ouais, OK. Humans. The autophage. Newman. It's an immense life cycle. Okay. A survival mechanism spanning countless eons. And you, we are the Omega Point. The fuck does that? I'm just me. You're fucked up, lady. Well, you are in deep denial. And you've had my two cents. So go and ask Reuben his. But whatever conclusion you come to, remember. Rappelle-toi. Une porte dans la gueule, ça fait mal. Ok. Ok. Compétences de Newman déverrouillées. Vous avez débloqué les compétences de Newman et pouvez maintenant embrasser votre plein potentiel en tant que tueur de zombies. Ouais, enfin de zombies aussi, non? Sur Twitter, les maîtres cataclysmiques, c'est H24. Ouais, c'est donner beaucoup d'importance à Twitter parfois. Un petit peu trop. Un petit peu trop. Bon, bah qu'est-ce que j'ai du coup? Instinct de survie, compétence autophage, je n'ai pas dit mon dernier mot. Quand vous allez mourir, déclenche à la place une forte explosion qui dépense de la colère sanguinaire. Attaquez les zombies pour en gagner de la... Regagner de la... Ok. Ouais hein, on est d'accord qu'elle l'imagine tout ça. Enfin, elle hallucine quoi. It's time I got the truth from Reed. Ouais, on va rentrer hein. On a marre de tout ça là.
Passe par là. Reed, pick up. Parcours. Parcours dans ta gueule. Oh, c'est one shot. Oh bah dis donc. Oh bah dis donc. Bon, je vais loot, hein. Bizarre le reflet un peu. Étrange. Je dois pas aller là, moi, si? Si, si, c'est là. Affronter le docteur Reed. Reed. Ah, il va manger de passer le salaud. Ah non. Chaque fois, je me vénère et je pète tout, mais en fait, c'est ouvert. Mais bon, je suis quelqu'un de vénère, moi. Est-ce que je pourrais réparer mes armes un jour? Ce serait trop cool, je pense. Si c'est ça. Oui, j'ai des trucs à recycler, moi. Je vais le faire. F3, oui. Mais j'avais rien à faire là-dedans, c'est pas ce que je me disais. J'étais pas du tout au bon endroit. Ah ouais. Bien étrange. En fait, il s'enfuit. Il s'est enfui, le salaud. Je l'ai esquivé avec une douceur phlegmatique incroyable. Pissade ! Ça faisait longtemps. Jimmy's trying to figure it out. Oh, cool. Wish me luck, I'm going in. What's happening, Jimmy? Piece of shit. What? Qu'est-ce que je fais? Hey, dude, take it easy. Ah, c'est parce que j'attaquais Tisha en étant à moitié transformé. Shatlin, whatever the fuck that is, and your name. Over and over. Quoi, mon nom? You all started the outbreak. What? I don't know shit. He kept me in the dark, too. He told me they'd make a vaccine from my blood. I just wanted to get the hell out of here. Mm-hmm. Mais du coup, qui dit la vérité, hein? I should have put a bullet in them. No! Voilà! Mais du foufou? Estúpido! We could have found out where he's gone. I know where he's gone. He's flown to some lab on Hollywood Boulevard. Hollywood? Everyone's freaking out. Bah oui. We need you out here. C'est flippant la situation, c'est pour ça que tout le monde y flippe. Moi, je comprends, hein. Que c'est foutu. Jimmy Montana, off the TV? So go act like you know what the fuck you're doing. Yeah. Yeah. Jimmy Montana. Ouais, non, mais faire l'acteur, ok, mais il a pas de texte, hein. Nine fucking seasons. Hey! Qu'est-ce qu'on fout, nous? Shit holes, bitches! Jimmy Montana's in charge now! Jimmy Montana is in charge. Carla, but enough's enough. Time to call it quits. Ouais, je suis d'accord. Emma? Emma Jaunt? It's me, you there? Hello? Did your doctor get you out? Nope, he fucked me over. We're gonna make our own way. There's a helicopter in Hollywood Boulevard. And I know a pilot who's your biggest fan. You got a
Ah, mais oui. Persuade him to fly. Persuade him to... Hey, if you think I'm gonna fuck some creep so you can fly out of here... Hey, come on, man. You really think I'd ask that? He can get us all out. You just gotta give him a pep talk. He's been living in the sewers for like... Ah, c'est lui! Splendid. We'd have more chance on a magic carpet. Everyone's fucked us. The army, the et oui, Emma, c'est la première qu'on a... Un des premiers PNJ qu'on a croisé. Okay, I'll meet him. But no promises. He's in the big sewer pipe by your house. I'm leaving now. Ok. Oh, merci beaucoup pour cette magnifique annonce qui ne nous éclate pas du tout les oreilles. Quoi? Je loot. Et je vais voir un petit peu ce qui se dit. Non, mais ça va être bon. On va se réparer. C'est important. Parce que j'en ai marre en fait, c'est lourd. Peut-être améliorer ma petite épée là que je viens de loot. Ouais, ça c'est déjà électrique. On peut l'améliorer aussi. Ouais, l'épée, ok. On va voir si on peut l'améliorer en un truc cool. Normalement, maintenant, j'ai des nouvelles améliorations qui peuvent être bien, mais en fait, elles sont pas là. Et c'est... Ah, voilà. Tuer un zombie donne un bonus de dégâts modérés face aux attaques puissantes. Ça a l'air bien. Tuer un zombie génère plus de colère sanguinaire. Ça a l'air bien. Mettre à terre déclenche une puissante éclosion à la PAC. Ça a l'air bien. Laisser un zombie une chance de restaurer de la santé. Ça a l'air bien. Tout a l'air trop bien, en vrai. En vrai, tout a l'air trop bien. Tuer un zombie donne un bonus de dégâts modérés face aux attaques. Bonus d'agilité mineure, pouf. Mettre à terre qui donne une puissante explosion. Franchement, mettre à terre, ça peut être bien. Mais mettre à terre, c'est même quand ils sont pas morts. Onde de choc, ça peut être cool. J'ai des coups critiques et une chance de déclencher une explosion à la PAC, ça peut être bien aussi. Ou tuer un zombie, donne un peu plus de colère sanguinaire, ça me chauffe un peu ça. Ouais. Je vais prendre ça, c'est sûr. Je vais prendre peut-être de l'électricité. Ça fait longtemps. Je vais faire une épée électrique. Blesser un zombie, une chance de restaurer de la santé, ça peut être cool. Ou mettre à terre une puissante explosion d'impact. Augmente des dégâts critiques et des attaques puissantes. Augmente les dégâts aux membres et la durabilité. Ça peut être bien aussi parce que ça, ça coupe. Les dégâts. Simple, rapide, efficace. Puissance d'explosion, restaure de la santé. Une chance. Je vais faire l'explosion. Ok. Ok, là on a une épée qui est plutôt bien là. Là elle est censée être quali. Ça, je vais le foutre là, ça sert à rien. Je verrai après du coup. Ça, je vais l'augmenter et ça, on va réparer. Du coup, ça, on va l'améliorer parce que c'est du légendaire aussi. Et je vais récupérer des trucs. Genre ça, ouais. CF3 ? Non. Si. Ouais, ça, ça dégage. Ok. Du coup, ça, on va modifier. Ok, le mode a l'air quali. Bonus d'agilité, tu as envie, j'ai un lac plus de colère, je vais prendre ça, ça me semble bien. Le bonus de dégâts. Une chance de restaurer de la santé, ça me semble bien aussi. Hop. On commence à avoir des armes un peu quali. Ça je mets là. Ça, ça va aller là. Est-ce que je peux mettre... Attendez, je vais voir là. Est-ce que je peux mettre à niveau? Ouais. Ça ou ça? Mais ça, c'était trop bien, ça. Oh, ça. Si je veux mettre à niveau, c'est combien? Salut, Soum Soum! C'est trop bien. L'accélé, la meilleure streameuse. Merci, hein! On faillote. Ça me va, ça me va. Je suis très sensible au faillotage. Ça marche très bien sur moi. Je l'accepte, hein.
Ok, je fais assez de sous sinon. Je vais peut-être voir pour vendre un petit truc. Genre une de mes armes bleues. C'est Lox la meilleure. Oh, ça on le savait. Merci. Oh non, pas mes armes bleues. Oh non, mais ça je vais garder. Bon bah non alors. Pas là tout de suite. Oh si, attendez. Je vais vendre ça. C'est officiel. Ça. C'est Lox la meilleure. Oh, ça on le savait. Merci. C'est trop pipou. Ça je vais vendre. Ça je vends. Ça je vends. Ça je vends. Ok, ça c'est sûr. Ça on vend. Le reste, j'ai envie de garder pour le moment. Comment tu vas, Soum Soum? Je vais peut-être mettre ça comme ça. Ah oui. Ça me semble bien. Ah, pour le moment, j'ai pas de balles, alors chier. Des soins. Bon, le peupon, franchement, il est un peu à chier. Hein, je vais le vendre. Hein. On avait vu qu'il était pourri. Je vais le vendre. Il m'a saoulé ce peupon. Pas ça. Ça, je vais quand même garder. Ah, bah, il est pas là. Il est là. Franchement, ouais, je vends. Il m'a saoulé. Hein. Et on va voir ce qu'on peut faire avec, par exemple, cette arme-là qui est légendaire. 3, 2, voilà. Saignement, feu, corrosion. Saignement, c'est pas mal, je crois. Hein. Ou impact. Saignement, ça me dit bien, saignement. Changement tactique, ok. Ou recharger un mode de dégâts modéré. Ok, tu as un zombie d'un mode d'agilité. Augmente la cadence de tir, mais réduit la précision. Montre les dégâts à la force mais réduit la taille du chargeur et la précision. Je vais mettre ça déjà. Voilà. Voilà, on a un petit flingue à Melio. Et ça, ça je vais le mettre là. Il est pas amélioré celui-là non plus. Ouais. Peut-être attendre de trouver une arme à feu violette. Grosse. Ok. Bon, j'aurais peut-être dû couper la VOD avant, mais là, je vais la couper. Et on va relancer une tout de suite. Bisous, VOD.